How shall I begin my story that has no beginning? The sampler, as well as the turntable, were principal tools largely responsible for the birth and development of hip-hop. With a sampler, any drum beat, any guitar riff, any sound that could be recorded could be used as part of a new composition, a new contextualization. The recording you are listening to now is an example. J'ai toujours été un peu sur le terrain, à droite à gauche, mais j'ai vraiment commencé vers l'âge de 9 ans. Ouais, on peut dire ça, et en même temps, pas vraiment, parce que je dois avoir quoi, 5, même pas 6 saisons dans les jambes, parce que j'ai été malheureusement blessé par le passé. Et j'espère rattraper le temps perdu. Ouais, disons que j'étais au moment où j'étais bien, j'étais en Espagne, tout ça, tout se passait bien, et c'est là que j'ai eu une grosse blessure qui a duré pratiquement 2 saisons et demie, quoi, ouais, 2 saisons et demie. Donc on peut dire que c'est un sacré frein quand même, mais du coup, j'espère que j'en ai encore un peu dans les jambes, du coup. Ouais, non, mais ça, je m'en fous un peu, parce que je suis juste content d'être là. Je veux dire, à un moment donné, je savais même pas si j'allais reprendre le basket, et voilà, le fait d'être ici, maintenant, jouer l'Euroleague, être un club qui est champion de France, tout ça, c'est juste du plaisir, quoi. Ouais, disons que l'objectif, c'était clair que c'était la pro, ça c'était sûr et certain. Après, d'être recruté par le club champion, on s'y attend pas forcément. Il y a aussi le fait que voilà, on les a joués en Coupe de France, on a eu la chance de les battre, et ça a certainement joué aussi. Ouais, enfin, le rebond, parce que je suppose que c'est ce qui se voit le plus dans le stats, ouais. Mais moi je me considère comme un joueur d'équipe, voilà, j'aime bien rendre service, j'aime bien jouer dur, je suis intense sur le terrain, j'aime bien passer la balle, et bon, comme tout le monde, j'aime bien marquer, mais je suis vraiment un joueur collectif, quoi. Du collectif. Clairement, et puis voilà, j'en parlais encore tout à l'heure avec Samuel. Je veux dire, ce qui a fait la force de Cholet l'année dernière, c'était que les gens étaient vraiment pensaient pas qu'à eux, quoi. Ils pensaient vraiment à la gagne avant de penser à eux, et je pense que voilà, ça me correspond tout à fait. Non, franchement, c'est un groupe, on sent. Quand je suis arrivé dès le premier jour, j'ai tout de suite senti voilà, les mecs, bon, déjà ils t'accueillent à bras ouverts, et puis en plus on sent vraiment que les mecs ont vécu quelque chose de grand l'année dernière, qu'ils ont envie de le répéter cette année. Donc. Ah, j'espère que ce sera possible. Non, c'est vraiment au contraire, c'est vraiment. J'ai vraiment. Je dirais pas hâte d'y être, parce qu'il faut d'abord que voilà, il faut d'abord qu'on soit en forme, que le collectif se mette en place, tout ça, machin. Mais jouer des équipes comme Barcelone, Sienne, tout ça, machin, c'est que du plaisir. Je pense que de toute façon, les objectifs individuels, je pense qu'ils passent vraiment par, surtout dans une équipe comme ça, ils passent vraiment par le collectif. C'est-à-dire, forcément, si on gagne, j'aurai forcément de l'exposition. Voilà. Après, si on perd, si je me retrouve dans l'équipe championne l'année dernière, mais qui perd cette année, bon, les gens ils penseront obligatoirement que c'est aussi un peu ma faute. Donc, l'objectif, c'est vraiment de gagner, et puis après, on verra. To make new combinations and thus new meanings. Enfin, j'ai déjà joué plusieurs fois contre Cholet, bien sûr, en pro, tout ça, quand j'étais à Paris ou à Charlieu. Voilà, là j'apprends à connaître un peu la ville. Je connaissais que la salle. Hein. Et ses alentours, j'imagine, parce que bon, on sait que Cholet, c'est pas forcément la ville la plus. Non, mais je veux dire, ouais, pour l'instant, franchement, la reprise elle est tellement intense que. Pour l'instant, je me contente de voilà, faire le tour de la ville, tout ça, machin. Je ride un peu en voiture, histoire de. Je repère les supermarchés, les trucs, les machins. Mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller à Nantes ou à. Mais j'espère qu'ils seront derrière nous comme ils ont été derrière l'équipe l'année dernière. Et voilà, et j'espère qu'on réussira à leur faire plaisir en ramenant quelques titres.